Et bonjour tout le monde, c'est Ryu, on se retrouve pour le 12e épisode du Let's Play sur Secret of Mana. Dans l'épisode précédent, on a enfin atteint le royaume Batango, le royaume des champignons. Voilà, en off, je me suis baladé un petit peu pour récupérer deux sphères, une pour l'épée et une pour la lance. Donc juste pour info, j'avais oublié les sphères au château du royaume de Pandora. Après avoir fait la mission d'Erwin du Sud, il fallait aller au château dans la pièce où il y avait le roi. Donc ça nous donne accès à une salle où il y a 6 coffres. 4 coffres contiennent 50 pièces d'or et 2 coffres les 2 sphères. Donc voilà, j'avais oublié ces 2 sphères là. C'est pour ça que je ne pouvais pas améliorer mes armes. Les personnages ont un peu monté de niveau aussi, ils ont pris un chacun je crois. Bon, rien de bien fou, mais toujours sympa quand les persos montent de niveau. Faut mourir messieurs les monstres maintenant. Déjà j'ai l'impression de rater un peu moins mes attaques. Explorer la zone pour être sûr qu'il n'y ait rien. Si on m'a dit souvent que ça servait à rien de trop explorer. C'est bon, t'es réveillé. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, ça va pas mal. Et donc là, je crois qu'on va essayer de trouver un dragon blanc. Demain vous aurez le dernier épisode du Let's Play sur Lost Sphere aussi. Ceux qui suivent le Let's Play de Lost Sphere. Je n'ai pas encore décidé du jeu par lequel j'allais remplacer. Ce sera peut-être un jeu un peu plus cool. Oh, c'est relou leur confusion. À faire par là. Par là non plus. Ah si, ok, je pense savoir. Avec le fouet.
Bon, là, le coffre qui s'en va, bien entendu, il va pas l'ouvrir. Faudra être idiot pour essayer d'ouvrir un coffre qui bouge. Allez, Popoy. Merci, Popoy. Allez. Merci, Prime. Heureusement que t'es là. On peut te faire confiance. Je vais explorer la zone d'avant d'abord. Si je peux. Je crois qu'il n'y a pas grand chose d'autre à faire, mais. Ok. Bon, au moins, cette fois-ci on est fixé, il n'y a rien à faire par là. Par là, hop, un peu de magie. Alors là, j'ai deux choix, pas vraiment. Par contre là, oui, j'ai deux choix. Soit je descends, soit je monte. On va monter. Ouais, j'utilise un peu la magie parce que je vois que mes persos montent de niveau, donc ok, donc il y en a un autre là bas et donc là on va dire j'ai deux chemins, mais non. Un peu l'inviratique la zone. Il faudra que je pense à explorer une zone que je n'ai pas encore faite. Alors.
Ah ok, d'accord, j'ai utilisé le bon perso. Espèce d'idiot. Hein? J'espère que c'est pas Popoy la magie de Gnome. Et Youpi, je pense qu'il faut. Ah non, c'est bon. J'ai de la chance. De la chance, mais j'ai plus de magie. Ah, youpi. Bon. On va aller farmer un peu. C'est là qu'on voit que j'ai été un peu idiot. J'espère que c'est dans quelques combats. Bah, allez, là déjà. Ok, eux ils font 100. Ça devrait aller vite. Normalement là il y en a 3 de nouveau en bas. Ok. J'ai essayé les lianes. On va essayer le rocher. Et ça marche. Attendez, un énorme bruit. Quelques zones que je n'ai pas visitées. Ok, donc là ça m'a ouvert le chemin là. Ouais, il faudra que je pense à revisiter les zones quand même plus tard. Maintenant, monsieur le monstre. Ah.
Aïe. Ça va, c'était rapide. Vous obtenez une sphère d'épée. Ok, donc je vais pouvoir monter mon niveau d'épée. Peut-être que Prime a un truc pour me soigner. C'était pas très dur. Ok, ah ouais, il y a deux zones, je crois, que j'ai pas visité dans la grotte précédente. Ok, le dragon blanc aux yeux bleus. Ah non, ça c'est dans Yu-Gi-Oh. C'est tout. Oh no, its parents must not have survived that monster from earlier. We can't just leave it here. It won't make it on its own. But it's too big for us to carry around, and this one's just a baby. We should ask Trouble what to do. Ah, c'est arrivé trop tard pour sauver la mère. Bien, je vais m'occuper du petit. Mais votre majesté. Chut, c'est décidé. Point final. T'as l'affaire, on dirait. Je ne vous retiens pas plus. Partez. Et revenez voir le petit de temps en temps. Je pensais l'appeler Flammy. Ah oui, on est d'accord. Bref, il s'appelle Flammy, c'est décidé. Ça lui va bien, hein. Ah ah ah. Cannon travel is open again south of the forest. Visit the fire palace in the Kakara Desert. Le frère canon de la forêt au sud est de retour, et apparemment le temple du feu se trouve dans le désert de Kakara. Vous devriez lui demander de vous y envoyer si vous allez au temple. Allez, bonne chance. Et nous, on va retourner dans les grottes parce que je vais pas tout visiter. Voilà, je vais juste améliorer mon épée. Pauvre bébé dragon, perdu sa mère. Et... bon, ça va, la grotte était pas compliquée, la speak là était pas compliquée aussi. Après, peut-être que le fait que j'ai pas mal de niveaux en plus, que je maîtrise un peu mieux ma magie, m'a aidé. Le fait que j'ai récupéré les sphères d'armes aussi, peut-être que ça m'a aidé. Là, on va se balader dans les grottes un petit peu pour essayer de retrouver s'il y a des trucs qui nous manquent ou pas. J'aimerais bien avoir oublié un truc, ça veut dire que j'y aille pour rien. Hop, un petit niveau d'armes.
stream. Hop, on va passer, hein. On va s'embêter. Là, par contre, si j'attends bien que ma barre soit chargée, là j'arrive à leur faire des dégâts, alors que si j'attaque un petit peu trop tôt, quasiment, enfin je leur fais rien. Ah, je vais parler trop vite. Je trouve qu'elle est belle, enfin que le design de l'épée est belle, est beau. Le design, c'est mieux. L'épée est belle, mais le design de l'épée est beau. Merci Ryu pour cette formidable analyse. Arrêtez les coffres piégés là, y'en a marre. Un petit niveau d'armes pour Andy, ça c'est cool. Alors, quelle zone je n'ai pas visiter, ça c'est une très bonne question. Parce que là j'avais dit voilà, allez on y va, là je n'avais pas visité. Là, ça ne me donne rien. Et là, ça me donne rien. Je crois que je suis revenu. Oh rien. Tu me gênes, monsieur Hibou. Mince. J'espère que j'aurai un raccourci après.
Non, là on a récupéré. Mais non, oh c'est relou. Bon, on essaie d'aller dans une direction avec la confusion et comme ça relâche, on repart dans l'autre. Un petit niveau de plus pour Andy, c'est toujours bon à prendre. Là, il n'y avait rien. Là, il y avait le bébé dragon. Enfin, par là, du moins. Donc là, c'est la zone par laquelle je suis passé tout à l'heure. Non, c'est là où il y avait le bébé dragon. Bon bah je crois bien que je suis revenu dans cette grotte pour rien. On est content, merci. Bon, j'aurais perdu 5-10 minutes à refaire ça. On va retourner jusqu'au village. Un petit niveau de plus pour Prime aussi, c'est cool. Allez, on y va. Boy, viens là. Oh, il est relou l'autre avec sa confusion. C'est un petit peu dommage, j'aurais perdu encore du temps là-dessus. Hop, ça va le garder.
Et moi je m'en vais sans mes copains. On court, on court, on court. Ça devrait tuer le 3. Non. Ok, on est ressorti. Alors là, j'utilise la magie, hein, c'est juste pour gagner des points de magie avec Prime. Parce qu'on va peut-être pouvoir monter un niveau en magie. Regardez. Dean 54%. Ça ne coûte rien. Vu que je vais aller à l'auberge après pour sauvegarder et me soigner. Alors je crois que lui, il a déjà gagné son niveau. Lui, il a déjà en ligne de niveau 3. Niveau 69 pour le niveau 2 de Dondine, c'est pas trop mal. Donc les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Donc on va se retrouver dans le prochain pour le Temple du Feu. Je vous souhaite à tous de passer un très très bon week-end, et donc on se retrouve dès lundi, et d'ici là, portez-vous bien, à bientôt, ciao.